faisais pas bien. Mais depuis, normalement, je le fais bien. Donc. Bon, donc les gens vont pouvoir voir si t'es, si tu t'es amélioré ou si t'es toujours une merde. C'est exactement. Bien. J'ai foiré un truc, je crois. Ça a pas voulu taper. Fuck! Non, tu ne t'enfuis pas. PM. Tu bouffes ça. Et tu vas dans le four. Vous pouvez apprécier le doux son du barbare qui mange sa pomme pendant que votre seigneur fait sa pizza. Silence, toi. Il est méchant. Dites-lui dans les commentaires qu'il est méchant. Je suis pas méchant, je dis la vérité, c'est tout. C'est bien ce que je dis. Il faut être stratégique. N'utilise pas des mots que tu comprends pas. Ça te fait paraître plus bête que tu ne l'es déjà. T'as pas besoin de ça. Peut-être, mais au moins, moi, je fais des pizzas. Qu'est-ce que tu dis? Silence! J'ai 2% de bonus aux dégâts de statis alors que j'en avais 1% avant. J'ai aucune idée de ce que ça change, mais en tout cas, je vais prendre plein de tomates. Donc, je résume, tu comprends rien à ce que tu fais. Exactement. Mais j'ai 9 tomates. Et. Ah, je crois que je viens de comprendre. Mais elle est pas bleue cette larve donc. Donc fuck it! J'ai les jambes complètement ankylosées. Je geek peut-être un peu trop. C'est fort probable. Oh là là, la cinématique des égouts, on peut pas la passer! T'es que là? Oui. Pizza larve bleue à la tomate. Faut que je sois... Je crois que je viens de comprendre, faut que j'attende la pizza larve bleue. Mais non, tu dois pas l'attendre. Bah, il me demande une pizza larve bleue. Ta gueule, c'est pas ça. Fuite. C'est quoi alors? Mais j'en sais rien, je vois pas ton écran, espèce de con. Bah ta gueule. Ah donc c'est ça la bleue, celle qui est noire. Parfaitement logique. Donc je t'attendrai et tu veux être à la tomate, donc tu seras à la tomate. PM. Logique, oh là là. Je sais. Ah d'ailleurs, t'as pensé à mettre un chrono? Absolument pas, c'est ça que c'est bon. Non, mais ouais, on voit le professionnel là. Non mais c'est tout prévu, je couperai par tranche de 20 minutes. Ouais. Ça y est, j'ai réussi. Hooray! En fait, je viens juste de comprendre comment ça marchait. Bravo. En fait, il fallait seulement attendre telle larve. C'est normal que je garde ces putains de sorts. Je veux plus garnir des tomates, moi. On va sortir de là. Ça réglera peut-être le problème. Voilà, c'est mieux. Je t'ajoute ceci. Est-ce que je peux virer ce truc? Non, je peux pas. J'ai pas assez pour tous mes sorts. Ça, j'ai pas compris ce que c'était, donc je vais le virer. Rouge, tomate, ok. Parfait. C'est ça que c'est bien. Lag. Voilà. Maintenant, faut que j'aille me faire la maman larve sans jeu de mots. Bande de vicieux. Ah là là, bordel de merde. Je déteste les lags. Pof pof pof. Et après, je pense que ça sera bon pour un premier épisode. Puisqu'on aura vu la partie la plus chiante du didacticiel. Et oui! Youpi! Le plus chiant d'abord, le bon après. Donc là, on doit faire pareil avec des armes. Paf! Paf! Je vais en prendre plein. Tant qu'à faire. Est-ce que je pourrais les revendre après? Tu peux revendre des armes que tu gagnes sur un truc. Non, j'en ai aucune idée, mais on sait jamais. Ouais, tu... Parce que je crois que c'est un sort, donc ça marche pas, tu peux pas revendre. Non, mais je plaisantais, mec. Toi, tu bouges. On n'a pas le même humour. Je sais, toi, tu
Ça a aucune utilité. Putain, elle s'est mise au mauvais endroit cette chieuse. Bouge, voilà. Non, pourquoi elle s'est mise là? Mon seul plaisir de t'entendre, c'est de t'entendre galérer. Et ça, c'est drôle. Ta gueule. Oh putain, les rats ils sont trop forts en fait. On peut pas en faire un. À deux, limite, on pourrait s'en faire un, je pense. Il a 100 dégâts. Je vais peut-être enfin pouvoir. Ah, c'est bon. Je viens de lancer un combat qui est beaucoup trop dur. C'est l'heure de mourir. Let's fight to the death. Allez, meurs, larve nourricière. BAM. Où voit le travail. Oh putain, mais c'est génial en fait, ma classe. Quand tu comprends comment la jouer. Je vais peut-être enfin m'équiper, je suis pas. Tac tac tac. Tac tac. Tac tac. J'ai des stuff. Ah ouais, c'est ultra mobile en fait, c'est génial ma classe. Tu fais quelle classe déjà? Sram. Ah oui, ok, les poseurs de pièges, les voleurs, les assassins, tout ça. Ouais, voilà, bref, le genre de truc que j'utilise jamais d'habitude. Bon. Bref, tu, en gros, tu es quelqu'un de recommandable. Mais non, je suis quelqu'un de gentil. Plus que recommandable, quand même. Donc ça me sert à augmenter mes dommages feu alors que je ne suis pas feu. D'accord. Ça a l'air intéressant. Je vais l'augmenter aussi. Et puisqu'il me le demande, ça, faut bien que je le mette. Ah, j'ai aussi un truc là. Donc là, je vais augmenter en résistance hein, pour être un tank. Et là, où est-ce que je vais mettre? Est-ce que je vais mettre résistance, dégâts, feu? Et tes dégâts, c'est quoi, toi? Feu, ça a l'air pas mal, donc je vais mettre là-dedans. Ah non, point de vie. Tes dégâts comment? Comment ça? Ah oui, je fais des dégâts statis, moi. Mais y a pas de feu, air ou. Je sais pas. Là, il y a des monstres avec une jauge verte. Donc, c'est des monstres d'event. Parce qu'il y a plein d'event qui se lancent tout seuls dans ce jeu. Mais apparemment, je suis trop bas niveau pour l'avoir. Donc, en fait, le jeu lui-même te dit que t'es une merde. C'est exactement ça. Voilà. Il m'a même filé des armes, des nunchakouilles. Non, des chakoupes. Des nunchakoupes. Youpi. Yeah. On commence à être. Je vais me gérer le rat, c'est cool. Et donc je pense que pour ce premier épisode, c'est déjà pas mal. Nous allons bientôt affronter nos pires ennemis, les rouilleux. Ouais. Desquels nous avons juré vengeance. C'est-à-dire la quête, hein, se rentrer dans le camp du culte de Grest et se venger du faucheur grouilleux. Tintintin. Et donc cela vous le verrez dans le prochain épisode de Wakfu avec Lyric et tout. Salut, à la prochaine. A plus.